Bah, la preuve, ça fonctionne, je ne sais pas trop quoi. Sit up, never like you know it's put you back in with some automatics. We gon' send him to heaven. Wait, wait, wait. J'allais en prime comme d'habitude et du coup comme c'était bloqué, bah j'aurais pu rentrer chez moi mais je me suis dit que je vais rester pour soutenir la cause, surtout pour Parcoursup. Oui bah oui parce que en soi moi je voulais juste aller au lycée, j'avais oublié qu'il y avait un blocus. Je suis contraint de rester là vu que j'ai pas d'autre solution que de rester ici et attendre. Après je suis d'accord avec leurs revendications, mais je trouve que la méthode elle est trop violente. Parce qu'après, maintenant, on voit qu'il y a des lycéens qui sont pacifistes, mais il y a des gens qui sont là vraiment juste pour faire des dégradations et tout ça. Lisa, 15 ans, je pense qu'on est là parce que nos droits, peut-être qu'il faudrait un peu plus les écouter, enfin surtout nos voix. Même si, on est bloqués, mais je pense que notre voix elle compte quand même dans ce monde maintenant. Donc, je pense que c'est pas comme ça qu'on fera avancer le problème. Je pense que le problème aussi, c'est que on a le proviseur qui va directement appeler employer la force. Et du coup, obligatoirement, on a un rapport de force qui se crée. Parce qu'en face, on aura des policiers qui seront équipés. Et puis en face, tu vas pas avoir un étudiant tout seul. Du coup, c'est vrai qu'il y a un rapport de force qui se fait. Et c'est obligatoirement que ça amplifie la violence qu'on va amener sur le mouvement. Mathilde, 15 ans. Moi, je pense que les manifestations, c'est bien pour se faire entendre, mais c'est assez mal vu aussi par les adultes et qui, du coup, nous méprisent la plupart. On se fait pas très bien entendre, je pense. Du coup, ils pensent qu'on est juste des ados qui veulent pas aller en cours et donc je pense pas que notre voix elle soit vraiment entendue. Bah oui, la violence, ça va discrédibiliser le mouvement. Parce que après, dans les médias, ils vont ridiculiser les jeunes en disant que ce qu'ils cherchent, c'est juste à faire de la violence. Et puis leurs revendications, qui sont certes importantes, vont être passées au second plan. Parce que quand on regarde une manifestation, ce que les médias retiennent, c'est les casseurs et non les revendications des manifestants. Donc pour ça, je pense que les revendications sont là, mais la méthode n'est pas bonne. Tu verrais une autre façon de faire passer des revendications autres par une manifestation? Je pense que les bloqueurs ils pourraient faire des sit-ins dans le lycée. Parce qu'on voit bien que les sit-ins, par exemple, c'est une forme de blocus, mais sans qu'il y ait de la violence, parce qu'on a juste des gens pacifistes qui vont venir s'asseoir, sans bloquer les autres, mais qui vont exprimer ce qu'ils pensent. Il faudrait que les gens, s'ils veulent participer au mouvement, ils peuvent. Mais s'ils veulent pas, faudrait qu'ils soient pas contraints à participer. C'est vrai qu'il leur reste plus que ça, parce que maintenant, à chaque fois qu'il y a un blocus, c'est la police qui est envoyée. On a vraiment réellement personne pour dialoguer. Ils envoient toujours la force. Donc c'est vrai que d'un côté, s'il n'y a pas de dialogue, ils envoient directement la force. Je sais pas vraiment, je sais comment ça permet de se faire entendre et que si on n'agit pas, ça pourra jamais changer parce que les gens ne sauront pas qu'on n'est pas d'accord. Mais en soi, je sais pas si juste cet événement-là fera que ça change quelque chose. Mais c'est le fait de tous les événements qui un jour peut-être feront que ça change quelque chose et enfin, qu'on se fasse entendre déjà, je pense que c'est bien. Question de c'est quoi, mais ce que je pense en fait, je sais pas trop. Et moi je pense que juste c'est important de se battre pour ce qu'on pense être juste en fait. Voilà. Mathilde, 15 ans. Lisa, 15 ans. Moi c'est Mathis, ouais. Et j'ai 18 ans.